Je suis Daimé et mon urban craft est Daimé Flowers Design. J'étais amenée à donc prendre de vraies fleurs, ces fleurs que je trouve si belles et si vivantes et qui c'est vrai, quand on achète des bouquets, fanent très vite. Et donc, il y a quelque chose d'un peu symbolique dans la vie qui se défait sous nos yeux, comme ça, aussi vite. Et j'avais envie, justement, de trouver un compromis pour garder ces fleurs. Donc, c'est des fleurs, de réelles, vraies fleurs que je trempe dans le plâtre et donc qui se figent à jamais dans le temps. Le but, c'était, au début, je cherchais à trouver un objet qui pourrait décorer, qui était assez précieux et aussi joli qu'une fleur, qu'un bouquet. Et de fil en aiguille, j'ai fait quelques expériences. J'ai d'abord commencé par des fleurs séchées. J'ai eu l'idée de faire des fleurs à partir de plasticine et pour en arriver aux fleurs que j'ai trempées dans le plâtre. Et je me suis demandé comment je pourrais les garder plâtrées et donc ainsi les immortaliser. Donc j'ai fait plusieurs tests avant d'arriver à ma fleur finale. Donc ça a pris beaucoup de temps avant de mettre au point la bonne technique pour qu'elle soit bien, pour qu'elle reste dans le temps. Bah, j'expérimente vraiment. Ça a toujours été ce qui m'a défini. Même en peinture, je trouvais souvent des techniques en observant la matière. Et donc, mon but, c'est de combiner de belles compositions, autant graphiques et autant de trouver une harmonie dans la couleur. J'essaye tout le temps d'innover et de trouver... de nouvelles matières, de nouvelles couleurs. Comme là, mon rêve, ce serait de pouvoir les chromer. Donc ça, j'y suis pas encore arrivée, mais j'adore découvrir vraiment tous les médiums possibles que je pourrais employer pour enrichir mes créations.